c'est mieux comment nous essayons JFL Cuisine Créole. Jean-Fédor l'a dit, votre chef à la maison qui rentre dans la caillou. Bon, dis-nous. Moi, dis-nous un grand merci, tout le monde qui a suivi moi. Moi, dis-nous merci pour la façon que nous abonnés en si grand nombre. Moi, dis-nous bienvenue aussi, tout nouveau et nouvel abonné. Moi, dis tout le monde qui a écouté moi de Doupio, yon salutation, mon à Paris. Moi, salue nous, mon Chili, mon Brésil, mon en Argentine, mon Canada, mon les États-Unis. Moi, salue nous. On a un pile de monde qui m'a dit griot. Bon, je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse griot. Bien que je fasse un pique-lise actualisé pour nous. Ok? Griot pour moi faire, mais viande déjà coupé. Ok? Moi, je vais un petit coup 101 sur la viande. Ok? Lorsque nous faisons un griot, surtout nous-mêmes qui avons acheté viande dans les pays industrialisés, comme les États-Unis, Canada, la France, Chili, ben, en tout cas, tout côté nous entrons dans la boucherie pour acheter viande. Toujours acheter viande qui côté n'a pas marqué palette de viande ou bien autre palette, ça veut dire dans côté ça au dos là viande n'a pas sec les nous cuit. OK, qu'on a pour nous faire nous mêmes nous dépenser beaucoup d'argent dans fond viande alors que nous pas besoin dépenser un peu de l'argent parce que viande dans lui même il a un goût pâle. Viande, la viande même a son goût, ça veut dire viande dans possède un goût. OK, n'a même pour me faire moi connait un petit piment bouc nous. Mais petit piment bouc nous là-dedans, même si tu vas mettre juste graines de piment, moi j'ai ici là déjà, je vais mettre paprika, moi j'ai déjà, mais peut-être nous-mêmes, moi mettre le thym. Après ça, je mettre thym, éventuellement persil, et puis mettre céleri, mettre oignon, moi couper grossièrement, et puis carotte, ok? Moi mélanger tout ensemble, et puis moi mettre demi-tasse de vinaigre blanc. Je vais mettre rouge aussi, mais mettre blanc parce que les lumières. Quand on a là, je vais mettre l'ail. Beaucoup d'ail là. Mettez des belles grandes cuillères d'ail parce que ça ne va pas changer en rien sinon que 10 goûts ça apporte. Je ne vais pas mettre l'huile, je ne vais pas mettre en rien encore. Je vais mettre poivre. Quand on a là, je vais brasser les. Mettez sel, ok? Sel là, je n'ai pas besoin de nous qui quantité pour nous mettre. Mettez la volonté pas nous. Mettez la avec goût pas nous parce qu'il y a un bon tasseau, un bon griot. Ça qui fait le bon, c'est bien assaisonné. Gien pil nan nou, les noix cuit viande nous. Nous mettez trempé, nous quitter pendant combien heures de temps. C'est très bien et même excellent. Par contre, si toutefois ou fait ou pas mettez de l'eau là-dedans, l'eau mettez en pile temps, l'a simplement fait bien mûrir viande là. Il ça mûrir. Elle dit ça nous t'a dit vieillir, même vieillir c'est la même chose encore, mais au vin ça c'est fait viande rassis. C'est ça veut dire. Il vient rassis avec un vinaigre. Moi même moi pas faire le rassis parce que me pas mettre de l'eau là-dedans. OK? Me fin mettre ça tout bien assaisonné comme ça là. Qu'on a ça moi le faire là, moi aller mettre là avec un feu très doucement. Elle dit mettez feu à 4. Il pourra bouillir là tranquillement. Lui même la fait de l'eau pâle. Plus tout assaisonnement là-dedans, qu'on a même de l'eau, ça a toujours rentré là-dedans. Pas de l'eau étrangère qui vient là-dedans. Donc ça ne servir à rien pour marquer qu'il fait 4 heures de temps aucun côté. Ok? Nous tout partir là, mettre la 4, mais la prend au moins 2 heures et demie avant qu'elle cuite là. Ok? Si nous regardons là, ça fait plus qu'une heure et un quart, c'est dans le feu encore. Ce n'est pas encore prêt. Mais vous voyez, il y a encore l'effet Jules pour contre lui. Dans le jus, ça là. Gen tout épicement yo là-dedans. Même pas mettre un petit goût de l'eau ni un petit goût de l'huile, OK? Parce que de l'eau pour moi s'il gen sel seulement. Oh, c'est bon. Celle-là c'est toujours au même, OK? C'est discrétion. Long 10 minutes, long 30 35 minutes encore après. On nous dit comme ça que 2 heures de temps, OK? Toujours à 4 fois. M'a augmenter, m'a diminuer. OK. Yo 30 minutes plus tard comme moi te dit nous moi regarder viande là. Je vais seulement peser pour mon bagage. Ouais, c'est prêt là. Ok? C'est vraiment prêt, gars. Je fais une cuisson pendant 2 heures de temps. Pas d'eau, rien. Et puis, vous regardez, c'est vraiment ça. C'est pas ça, gars. Ok? Qu'on a qui ça, je vais faire, je fais mes fumes. Qu'on a là, je vais le vider. Ok. Mais viens là qu'on y a là. Ok? Ça, c'est. Viande cochon en moyen là. Qu'on a là nous-mêmes, ça nous a fait. Ça nous a fait.
Idéalement, ou mettez-le dans le réfrigérateur ou que le refroidi. Et puis l'aile fin refroidi et puis qu'on y a, on va le passer à la deuxième étape de la friteuse. Qu'on a assez, ça va le faire. Maintenant, mettez-le dans le frigideur, maintenant mettez-le dans le congélateur, quand vous voulez. Si vous besoin de frais plus vite, ou bien vite qu'il va venir plus vite que possible, vous mettez-le dans le congélateur. Mais si vous voulez manger dans la soirée ou plus tard, vous mettez à fond dans le réfrigérateur. Ok, ok, mais viennent me retirer dans le congélateur. Garde. Maintenant c'est froid, c'est bien froid. Qu'on a là, moi je vais le faire un petit fri, moi je vais le frire quelques graines pour nous. Ok? Je vais le retirer et puis mettre le dans la friteuse. Après 2-3 minutes au maximum, je vais avoir une belle petite couleur, coloration comme ça. Moi, retirer, c'est bon là. C'est pas brûlé. C'est excellent même, ok? C'est excellent, ok? Comme ça, on va mettre notre assiette pour nous là, ok? Ok, qu'on a mal présenté griot pour nous. C'est chaud par exemple, je vais le prendre dans la main, mais c'est chaud pareil. Et voilà. C'était JFL Cuisine Créole qui t'a présenté nous yon. Griot là, ok. Puis gars nous demander pour qui ça fait ma mettre un tison en sous lit. Pas oublier Jean le là, lorsqu'on va le présenter le vraiment, là toujours gagne un piclis avec. Donc on pas obligé de mettre oignon là-dessus, rien ça sert à rien. Ok. Mais si c'est un mariage ou un pas c'est pas grave, c'est bon. Ok.